Bonjour à tous et bienvenue au lancement virtuel du livre « Je vibre au tempo de ». Mon nom est Mélanie Poirier et je suis éditrice pour les éditions MP Trésor. Afin que cet événement soit grandiose, merci de partager à tous vos contacts. Je vous souhaite un très bon lancement. Bonjour, alors voilà, on nous a demandé de nous présenter. Donc je m'appelle Nathalie, je suis née à Nantes le 16 mars 65. J'habite actuellement la Boissière des Landes, un petit village de Vendée. Je pense être à mi-chemin de vie. Je cherche encore une place, ma place, à me réaliser. J'ai essayé beaucoup de chaises. Bon, elles étaient toutes bancales, percées, déjà occupées. Alors je me suis dit que le mieux était d'en fabriquer une sur mesure, une chaise longue durée sur fond de toile nette. J'aime m'écrire, jouer avec les mots, les tordre, les faire sonner, danser, en inventer d'autres. Voilà, c'est pour ça que j'aime le théâtre, la philosophie, l'astrologie, la numérologie, la musique, la réflexologie plantaire, la peinture et bien sûr l'écriture. Je vais terminer par ce petit mot qui me caractérise, je pense, et qui dit « Plus je sais ma faiblesse, plus elle fait ma force ». Alors voilà, je vais maintenant essayer de vous lire mon poème, qui est tiré de l'œuvre picturale de Daniel Hébert et de la chanson de Daniel Guichard, « Mon vieux ». Vous avez reconnu la musique. Dans son vieux lit tout rocailleux, il se diluait tout silencieux, ridé de résilience ardue. Mon rhu. Alors j'endossais mon manteau, j'allais m'asseoir à son chevet. De mon verbe je l'éclaboussais de mots. Mon rhu. Son flot enflait, se distillait, chèvrefeuille sur eau exhalait, arborant couleurs et senteurs exquises, accrues. Dans son vieux lit, tout caillouteux, je venais lui cracher ma vie, rouillée. Il giclait sur les pierres, poli, compatissant, rempli, sans bruit, mon rhu. Yeux usés et fenêtres embuées sur mon avenir violacé, je buvais lasse les journées, la tasse. Il était mon échappatoire, mon frère liquide, mon miroir, exutoire de toutes mes histoires, l'avoir. Son onde rutilait de paillettes devant un soleil conquérant. Mon rhu épanchait toute sa soif, le ciel emplissant sa carafe. Pluie diluvienne, orage d'été, neige fondue, torrent gelé. La piquante haie, toute pomponnée, offrait ses charmes, rendait les armes, trempait ses pieds pour l'absorber. Mais il résistait, fier, altier, mon guet. Le soleil en était jaloux, il a brûlé la haie de houx, il a forniqué dans son lit, l'a évaporé, s'est enfui. Ah, rire ! Maintenant qu'il s'en est allé, tout hari et le cœur fendu, j'aurais dû l'arroser, c'est sûr, de ricochets, de joie bouillue, mon rhu. Il a bu toutes mes paroles, mes rires vides, mes larmes acides. Lui était du genre silencieux. Tout ce qu'il voulait, c'est voir la mer, ses yeux. Aujourd'hui, il a disparu, boucané, racorni, vaincu. Il reste un sillon, une empreinte, une grasse matinée peinte, une rue. Merci. Bonjour, mon nom est Daniel Hébert, je suis artiste peintre ébéniste amateur de Repentigny.
Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une toile, une œuvre que j'ai réalisée en m'inspirant d'un paysage d'automne sur les abords du lac Théodore à Valmorin. Cette toile se nomme Mon père, à qui je l'ai dédiée. Le médium que j'ai utilisé pour réaliser cette œuvre est l'acrylique. Comme vous l'avez le constaté, cette œuvre est accompagnée d'une chanson, une chanson de Daniel Guichard, Mon vieux, composée par Jean Ferrat. J'espère que vous apprécierez tant mon œuvre artistique que la chanson qui l'accompagne, et au plaisir de vous rencontrer. Mais d'ici là, bon confinement. Comment faire pour vous procurer ce magnifique bijou littéraire intitulé Je vibre au tempo 2, qui contient 208 pages en couleur et de haute qualité, qui réunit le talent de 90 créateurs? Eh bien, c'est très simple. Vous n'avez qu'à vous diriger sur le site des éditions MP Trésor ou à venir faire une visite à la galerie MP Trésor située à Durham Sud, au centre du Québec.